Finalement, on apprend que Desbordeaux dit, bon, histoire de Viviane Mema, c'est bon, c'est pas la peine. Voilà, je ne me suis pas fait connaître sur le plan mondial grâce au son de quelqu'un. Donc, affaire de Viviane, bah, bon, c'est bon. Voilà, il a déposé le son. Voilà, les gens n'ont qu'à continuer de faire les challenges. Parce que en fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu méchants. Parce qu'ici, ils disent bête. On dit Makoso, t'es juste. En fait, ils sont bêtes. La chose, Viviane, tu m'as fait. Les gens faisaient beaucoup de challenges sur TikTok. Et il y a un jeune Ivoirien qui dit, mais vieux, le son là, il faut rentrer en studio, tu as fait sortir ça. Desbordeaux n'a jamais voulu faire sortir ce son. Jamais, c'est pas Desbordeaux. Desbordeaux s'en fout de ça. Voilà. C'est un louchi. Voilà. Et Desbordeaux est connu dans le monde entier. Malgré ces un son qu'il fait sortir là, il est connu. Voilà. Il est connu. Et puis si un artiste est mondialement connu, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné le nom. Sinon, on ne valide pas, il n'y a pas. C'est qui même? C'est la Côte d'Ivoire qui valide. Il n'y a pas un artiste au monde entier africain qui est connu que la Côte d'Ivoire n'a pas validé. C'est quand on valide, qu'on dit Biaka, c'est validé, c'est la Côte d'Ivoire, le 225. Donc c'est un jeune qui fait un poste et puis Desbordeaux reposte et puis dit avant de le faire, je vais rentrer en contact avec l'artiste qui est l'auteur. Il y a même affaire d'auteur, mais il y a parlé de chez déjà au Cameroun. Il y a parlé déjà. Le jour où Desbordeaux dit, je vais rentrer en contact avec l'artiste. Il y a un autre qui sort, qui dit, c'est moi qui suis l'auteur, vrai auteur de ce son Viviane. Regardez comment les Camerounais eux-mêmes sont sorciers entre eux-mêmes. Le Camerounais a pour sorcier le Camerounais. Et ce sont des managers, des blogueurs qui vont prendre un artiste aussi aveugle qui vient dans le but de dire, l'autre a volé mon son pour que Desbordeaux, entre-temps, gère le mouvement aussi de cet artiste. Bon, bref, laissons ce côté. Aujourd'hui, je vois des Camerounais qui disent, Desbordeaux aurait dû... Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez même? Desbordeaux aurait dû prendre un avion, arriver au Cameroun pour dire mon frère, bien-aimé, s'il te plaît, est-ce que... L'artiste là, il devait se mettre à genoux pour dire merci Desbordeaux de réveiller mon son et de donner une dimension mondiale à mon son. Il n'est jamais au niveau de Desbordeaux. Desbordeaux dans son coulé, Desbordeaux dans son coucher. Même le vieux sorcier qui est couché au Cameroun sait qui est Desbordeaux. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui connaissait qui est aimé, qui a chanté. Aucun Ivoirien ne le connaissait. Vous rentrez dans le coin, vous demandez vers lui, qui est Maloche, on ne le connaît pas. Quand on dit qui est tenant de le connaître, pas le gars de Emile Sinon là. Vas-y, moi, les choses se passent ici. Hein. On ne le connaît pas. Personne ne peut discuter de Camille Makoso, mon amour pour le Cameroun. Mais ma vérité, il faut qu'il soit entendu. Personne ne connaît Maloche en Côte d'Ivoire. On ne le connaît pas, il fait vidéo. Et moi, je ne connais aucun son de Maloche. Aucun. Okay. Si j'ai déjà un son de Maloche, je ne connais pas. Mais quelqu'un qui me dit qu'il ne connaît pas qui est Desbordeaux, il confond. Le mini. Lui va prendre toi ton son pour mettre ton son sur la planète. Et puis on venait dire non que lui va. C'est l'artiste elle-même qui doit prendre l'avion pour venir dire merci à Desbordeaux en Côte d'Ivoire. D'abord penser à son son. Doit même interpréter même son son. C'est comme si on dit une petite fille en Côte d'Ivoire fait un son. Et puis Rihanna entend le son, elle, ça lui plaît. Et puis Rihanna prend son téléphone, elle tape. On dit oh, Rihanna à vitesse. Pourquoi Rihanna ne se déplace? Vous êtes mondialiste, vous êtes malade, hein, à péter dans la tête là-bas. Celui là s'est déplacé pour aller dire si j'ai l'honneur de solliciter, s'il te plaît, les grandes affaires, là, même les grands milliardaires au monde, ils traitent les affaires au téléphone. Oui, allô, bonjour, écoute, par rapport à la fête ce soir. Les grands contrats, souvent, se traitent au téléphone. Les grandes rencontres par rapport au comment on appelle ça, aux signatures de contrats de football, souvent, se traitent au téléphone. On dit, tel président de club m'a appelé. On ne se déplace plus. Dieu a créé aujourd'hui la technologie pour régler les choses. Qu'au nom, par une mesure de politesse, c'est écrit où que pour que toi, je puisse faire le remix de son son, je dois me déplacer. C'est pas une futurie. Le futur, ça veut dire que moi, je chante ensemble. Mais il n'y a pas chanté toi. Mais ton son me plaît. Je vais faire le remix. Le mouvement, c'est comment? Tu prends combien? Ah, moi, il y avait 10% sur le son ou 20% sur le son. Ok, mon manager t'envoie le contrat. Ton manager envoie le contrat. On signe le contrat tranquillement. On gagne, on s'en va. On a besoin de se fatiguer par rapport à ça. Mais j'ai cassé la tête. Comme si Desbordeaux est tellement fini qu'il a besoin d'un son. Desbordeaux ne voulait jamais chanter. C'est moi, en posant, il voulait chanter ce son-là. Et puis Desbordeaux dit, ok, pour vous, je vais rentrer en studio. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc quand j'entends déjà que Desbordeaux veut voler, il a volé, il est ceci, il est cela. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Bon, il dit, maintenant, il ne chante plus. Voilà. Donc vous demandez à vos artistes de faire sortir le remix et de faire sortir le featuring ou quoi qu'il veut. Nous, on n'est pas depuis dans ça. Et puis on voit ça en 24 heures. Ça a fait 1 million de sons. Maintenant, Desbordeaux, on a vu une fois que tu as chanté Maïmouna. Comment tu as Maïmouna, tu as chanté de Viviane Papa. Viviane, c'est une sorcière. Tout le monde sait que Viviane, c'est une sorcière. Il faut chanter Bintou. Mais il faut chanter Maïmouna. Tu dis aux Ivoiriens, j'ai fait sortir le son. Et puis, on te montait Desbordeaux. C'est qu'on appelle la puissance du 225. Le pays d'Alassane Ouattara, le pays le plus debout. Et on fait une remarque. Les sorciers, là, ce sont les artistes camerounais. Il n'y a pas plus sorciers que les artistes camerounais entre eux-mêmes. Même les blogueurs entre eux sont sorciers. Ils se détruisent entre eux. Ils se font du mal entre eux. Et on fait une révélation. Les grands prix qui existent en matière d'artistes, tout dernièrement,
J'ai vu un des grands prix où Didi B a remporté, Kaïs Blum a remporté. Et j'ai posé la question, pourquoi on n'a pas entendu le nom d'un seul artiste camerounais? Vous n'avez jamais posé la question. Dans les grands festivals en Afrique, lorsqu'on va faire la récompense des artistes, on n'entend jamais le nom d'un seul artiste camerounais. Vous n'avez jamais posé. C'est-à-dire, les Camerounais ne sont jamais assis. Mais pourquoi nos artistes? Quand on parle des grands prix, par exemple le Pimut, par exemple la Cora, pourquoi on n'entend pas le nom des artistes camerounais? Pourtant, des grands artistes camerounais. Le sorcier du Camerounais, c'est le Camerounais. Le gars là, si il avait, le son était peut-être sorti. Peut-être, mais ça n'a plus sorti. Et les gens ont dit à des bandes aussi qui t'amusent. A fait sortir son. Non, t'es monté. Mais si t'as eu 100 000 vues, c'est le nom des chiens. Vous avez vu Debordo, dans son élégance, il n'a pas répondu à Malox. Parce que lui et Malox ne sont pas au même niveau musicalement parlant. Quand Debordo parle, Malox n'a pas un beat de fait pour écrire. C'est pas son camarade. Et Debordo a tous les défauts. Hein. Mais quand il déborde, c'est le rival direct d'Arafat Didier, le sommet des sommets. C'est pas Debordo, il est paresseux. C'est pour ça que les femmes peuvent aller chanter Debordo, va au studio. Debordo descend, va au studio. Sinon, si Debordo s'assoit pour dire ok, vous venez de me provoquer. J'ai fait un mois, je ne sors pas. Je dors dans ce studio, je me réveille en studio. Champion, le monde entier va confirmer. Il n'y a pas quelqu'un qui a voix de Debordo. C'est un don extraordinaire. Regardez un artiste comme Ténor. J'ai écouté le son de Ténor avec Arafat DJ. Je regarde comme je dis, mais c'est pas, c'est la magie bien quoi. Mais quel est le niveau aujourd'hui de Ténor? Comment les Camerounais font monter Ténor? Il y a eu histoire de Ténor et puis Elise dit, façon qui était soulevée, c'est quand il a été déposé. Les Camerounais disent, tu as menti. Conclusion. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé, High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, j'ai dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundimal, Yaoundé, au lieu dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fundimol, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net, site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power.